cause boisson ça yo ka fait femme avorter. Dernièrement, m'te font vidéo côté que m'te cité non boisson qui ka fait femme avorter, mais pour qui ça yo fait yo ka fait femme avorter? Qui ça yo gen là-dedans? Ah ben c'est ça mon pote pour nous dans vidéo a, ça que fait boisson pour cité là yo ka fait femme avorter côté que t'es enceinte et pour ka perdre ti moun nan si la prend boisson ça c'est le consommer. Bienvenue avec vous même qui fait tomber sur channel là, moi c'est Miss Pierre Jules ou sur channel moi qui c'est 4 la courageuse. Si vous pouvez abonner avec chaîne non mettre faire ou pas progrès, ou juste cliquer sur petite cloche là, c'est petite cloche de notification et puis vous cliquer sur tout pour pas rater aucune vidéo que me lagué. Et puis pas oublier si vous fin regarder vidéo alors fin regarder, partager vidéo avec un ami en famille pour qu'a connaître boisson ça yo, si yo boit yo, yo ka fait avortement ou ka perdre ti moun nan si on enceinte. Alcool boisson qui alcoolisé li provoke avortement. Ça veut dire que ou ka enceinte depuis nan début grossesse ou perdu ti moun. Même si ou pas enceinte ou son adulte qui normal ou al boit alcool, eh bien li provoke des altérations sous santé. Ça fait une femme qui enceinte, OK? Les femmes enceintes là li consomme alcool, la fait un effet grave sous santé. Il va faire effet grave là seulement sous santé l'homme, mais la fait effet grave sous santé bébé. OK? Premier ça un obstétricien a dit femme nan côté que enceinte ou aller ka gynécologue, premier ça l'abdou éviter boire alcool. Qui raison qui fait docteur Abdou pour pas boire alcool les enceintes? Parce que les enceintes doivent boire alcool, li ka provoquer pour fausse couche depuis le premier mois grossesse. Le ka fo pedi. Alcool là ka passer de fœtus là à travers placenta. Ka gon retard de croissance intra-utérine. Bébé a tout li ka handicapé physiquement et mental. Pour nan ka fin fête et pour elle gen anomalie comportementale. Bébé a ka fête et le fête ensemble avec des anomalies fonctionnelles. Ça c'est ou même qui femme qui n'a consommé alcool, mais tout ça, tout effet négatif qui capote sous ti moun ou ap faire. C'est ça qu'il faut éviter boire alcool pendant grossesse. Une femme qui enceinte faut éviter boire caféine. OK, pour qui ça l'elle boire caféine non, li pas bon pour santé l'elle enceinte. Caféine non, li ka fait fi en fait fausse couche. C'est ça qui fait en moyenne une femme enceinte ka boire 2 tasses café. OK, mais elle pas doit boire café à fort. 2 tasses café ça li gen environ 200 mg de caféine. Et l'on boit café li ka fait gen effet dangereux sur santé ou. Pour qui raison? Caféine nan li ka atteint fœtus la via le placenta. Organe fœtus nan li ka vin moins développé. Ça fait yon femme pa boire café les enceinte. Pa boire souvent et la boire pa boire plus que en moyenne 2 tasses mais 6 tasses parfois. Boisson énergie santé yo fait impact sous santé femme enceinte. Impact lifia c'est des impacts négatifs. Pour qui raison? Boisson énergie santé là il gagne environ 80 à 150 mg de caféine là-dedans. Risque avortement li augmenté. Boisson énergétique yo gagne une quantité de sucre là-dedans. Ça fait avant boire un boisson qui énergétique ou doit consulter un médecin d'abord. Et le docteur a dit docteur, mais telle boisson énergétique ou joine, est-ce que au caboel? Parce que les enceintes boisson énergétique pas pour vous. C'est docteur pour vous qui boit ça. Non, pas qui boit ça. Consultez-le ou bien relez-le dans le téléphone. Les enceintes tout ou pas qui prend plaisir pour pédé boire jus ananas. Pour parce que jus ananas a un ingrédient là-dedans qui relé bromélain. L'on boit un pile jus ananas et puis tout enceinte, il ca ramolli col utérus. Elle pral provoquer des contractions qui pral vin entraîner fausse couche. Faut perdre ti moun. Jus aloe vera, li gen un pile bienfait, li pote un pile bienfait sur santé nous. Pourtant, li préférable pour une femme enceinte éviter consommer jus. Mais si ou ap utilise gel la loi, pa gen danger dans ça. Qui raison qui fait ou pa ka boire jus aloe vera? Parce que aloe vera gen anthraquinone là-dedans, elle gen des effets laxatifs. Elle ka provoquer des contractions utérines pendant grossesse. Elle ka fait des saignements pelviens qui pral entraîner des accouchements prématurés ou bien fausse couche. Une femme qui enceinte doit éviter bien avec l'eau chaude. L'eau chaude pas pour pas bien avec l'eau chaude. Raison qui fait ça, l'eau chaude est riche en minéraux, elle ka traverser placenta. Elle traverse placenta comme ça elle pral atteindre fœtus là. Ça quand devant toi. Faute teneur minéraux de l'eau à l'inocive pour ti moun nan et li ka provoquer fausse couche. Yon femme qui enceinte doit éviter boire produits laitiers qui cru, lait qui non pasteurisé. Raison qui fait ça,
Parce que l'aide ça yo y a des bactéries et bactéries ça relie listeria monocytogène qui ca provoquer des infections pendant grossesse et gien fuit ensemble avec graines qui kon provoquer des contractions utérines lors enceinte ou pas ca prendre ou papaye grenade pêche fuit à graines ça lors enceinte ou pas ca prendre parce que kon provoquer des contractions et gien quelque chose manger tout tant que crabe fuit de mer qui pas cuit foie bête huile foie poisson qui riche en mercure, poisson ça au thon, mankerin, requin, l'espadon, etc. C'est poisson femme enceinte pas qu'à manger. Viande côté que vous transformez en saucisse pas pour. Viande ou bien poisson qui pas cuit. Œufs qui cuit. Produits fait avec œufs. Mayonnaise, mousse, légumes qui pas lavé. Épices sans cannelle mais en petite quantité. Pas servir avec en pile. L'ail, menthe, poivre. Ok, épices ça c'est en petite quantité, c'est pas en pile. Parce que n'est pas bon pour même qui enceinte. Process ça c'est une phase qui est extrêmement cruciale pour chaque femme. Chaque femme désire une grossesse qui normale. Et non seulement ça tout ta mais faire un petit monde qui en bonne santé. Et pour femme n'a pas parvenir à ça, li important pour femme enceinte là observer et survient restriction alimentaire. Pour tout ça me sorti là ça ou pas de manger. Et les femmes n'a fait ça le permettre femme n'a une grossesse qui normale. Ça permet généralement de manière bénéfique pour maintenir état santé générale. L'important les enceintes pour consulter un médecin. Si concernant sécurité de consommation médicaments à base plante et supplément pendant grossesse. Une dose qui élevée ou non surveillée de plantes médicinales, li ka gen un effet négatif sous maman et puis sous fœtus qui nan ventre. Pas dit enceinte ou prendre n'importe sauve n'importe bagaille sans avis docteur. Pas dit moun de zou sou pran sa la bon pou, mais faut checker docteur avant pour dire est-ce qu'on prend ou pas. C'est là mon mette fin dans vidéo a pas oublier. Moi c'est Miss Pierre Jules ou sous channel moi qui c'est 4 la courageuse. Si vous fin garder vidéo a pas oublier abonner ensemble avec page là, commenter, like et puis partager vidéo. C'est un plaisir pour me t'en ensemble avec nous. Pas oublier moi gon page Facebook qui c'est rubrique santé 4 la courageuse ou ka monter sous le abonner avec page là. Ou ka monte sou page Instagram mwen tout ki se rubrique santé 4 la courageuse ou suivre moi ou abonner avec page. Alors bye bye, à la prochaine.